aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est un unboxing avec la boutique Biggest Craft. Alors, je me suis plantée. Ça arrive. L'article que je vais vous présenter, vous l'avez déjà vu il n'y a pas longtemps. Donc, je ne sais plus quand est-ce que j'avais fait... Bon, je ne sais plus. Je sais plus quand est-ce que je vous l'avais déjà présenté. Mais c'était la semaine dernière, je crois. Et j'ai repris le même article. Alors, j'ai pensé certainement que je ne l'avais pas choisi déjà. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais le déballer. Je vais vous le remontrer. Bah, pour ceux qui ne l'auraient pas vu déjà. Hein. Et en plus, je l'ai pris dans la même couleur. J'ai tout fait pareil. Voilà. Ça vous dit quelque chose, hein? C'est une trousse de rangement pour le tricot. Donc, plus... Il y a des foudres. Il y a Fifi qui vient dire bonjour. Merci Fifi d'être devant. Fifi. Fifi, tu peux bouger. Tu peux bouger. Oh, merci. Il y en a qui sont en train de faire grincer les pneus dehors. Oui. Donc, je te disais, c'est plus particulièrement pour les... Fifi, s'il te plaît. Pour les aiguilles circulaires. Voilà. Alors, vous avez une pochette. Bon, je la remontre en détail hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vue déjà. Hop. Alors, vous avez déjà une pochette ici. Une première pochette ici avec une pochette transparente avec une fermeture éclair. Vous avez plein de petites pochettes. Plein de petites pochettes, j'ai pu parler, ici, pour y mettre vos aiguilles, voilà. Ici, pareil, vous avez plein de pochettes, donc, oh, Fifi, s'il te plaît, plein de pochettes, pareil, pour y mettre les câbles, les aiguilles, enfin, ce que vous voulez. Et il y a une deuxième partie... Voilà, ici. Donc, avec une pochette transparente avec une fermeture éclair, plein d'emplacements avec un élastique. Ici, pareil. Donc, si vous mettez des aiguilles, des crochets, ben, comme ça, le bout, il est là. Et vous avez encore des pochettes ici. Voilà. Je crois que je les ai toutes montrées. Oui, voilà. Alors, cette pochette est en tissu, c'est un tissu qui peut bien se laver hein, sans problème. Alors, j'ai mis ma pochette de rangement aiguille à tricoter. Alors, c'est en dollars ou en... je ne sais plus. Bon, ça va être en euros, ouais, bon, ça y est, je vous marquerai sur l'écran, de toute façon, c'est 11 € ou 11,95 $, voilà. Ensuite, le deuxième article, c'est un que vous avez déjà vu aussi, mais là, je ne me suis pas trompée, je l'ai pris en connaissance de cause. C'est un cuisse-nap, oui, encore. Mais j'aime beaucoup utiliser les cuisse-nap. Et là, c'est un grand. Voilà. J'ai repris un grand bah parce que je vais avoir besoin d'un grand. Voilà. Je vous montre en détail.
Alors, sa taille, il fait 43,1 cm sur 27,9 cm. Voilà. Donc, un premier côté, un deuxième côté. Et là, on a les petits côtés qui vont de chaque côté. Sur chaque tube, vous avez... Alors, je vais essayer de l'enlever, mais je n'ai pas beaucoup de force ce soir dans mes papates. Alors, attendez, parce que celui-là, il irait mieux. Bon, quand c'est neuf, c'est dur. Hein. Oh, j'arrive pas. J'ai pas de force dans mes mains. Bon, je vais vous montrer comme ça. De toute façon, je vous l'avais déjà vu. Vous voyez, ça, c'est la pince dans laquelle on va bloquer notre toile. Voilà. Là. C'est en forme. Il veut pas, il floute. C'est un peu en forme de fleur. Voilà. Comme ça, quand vous remettez l'autre tube. Oh, mais aujourd'hui, Eh ben voilà, je l'ai bloqué. Voilà. Hop. On l'a mis. Et il ne tournera pas. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre de l'autre côté également. Hop. Et on va faire pareil avec ce côté-là. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo comment se servir du QuiSnap. J'ai pas de force en mes mains aujourd'hui, je suis désolée. Mais bon, je pense que vous aurez compris le principe. Voilà. Hop. Donc vous avez quatre pinces, une de chaque côté, pour bloquer votre toile. Coucou. Donc ce QuiSnap, ce grand modèle est au prix de 12,99 $ ou 12,99 €. Voilà. Je n'ai rien pris d'autre aujourd'hui chez Big S Craft. Par contre, je leur ai demandé s'ils pouvaient me donner un code promo pour vous. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc vous avez le droit sur vos commandes à une réduction de 3,99 $ avec le pseudo Didit en majuscule. Voilà. Je les remercie beaucoup pour ce code promo. Ensuite, vous pouvez... Alors, il y a des cadeaux aussi sur la boutique. Si vous dépensez 29 $, vous obtenez un cadeau. Voilà, donc le cadeau se trouve dans c'est la Bing Box. Donc c'est une boîte mystère et c'est d'une valeur de 5,99 $. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre... au-dessus de 29 $, comme ça vous aurez un cadeau gratuit. Ben écoutez, moi je pense avoir tout dit aujourd'hui. Là je commence à être fatiguée, je suis désolée, parce que là il est 11 h du soir et j'en suis à ma 1, 2, 3, 4, 5, 5e vidéo que j'ai tournée ce soir. Donc là on va arrêter et on va se reposer. On va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je ne sais plus si j'ai remercié la boutique Big S Craft. Voilà, c'est fait. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.